Les appels à projets qui vont être lancés dans ce cadre-là. On fera un retour d'expérience et des conseils du coup par rapport aux premières vagues de projets qu'on a pu soutenir. Et puis on présentera des living labs ou centres d'expertise qui présents sur nos territoires, qui peuvent être qui travaillent en lien sur cette thématique-là, sur la thématique du projet, et qui peuvent être vos futurs partenaires du coup dans vos projets. Et puis nous aurons une séance de questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions au cours de vos questions. Pour information, on va filmer le webinaire. Donc, si vous avez si vous aviez un souci par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Et aussi, du coup, pour bien, enfin, par souci de bien faire l'enregistrement, c'est possible de couper vos micros pendant la partie des présentations. Et puis, on réouvrira pendant l'échange et les questions. Voilà. Donc, du coup, pour démarrer, vous présentez un peu le projet. Il a pour type de réalisation, donc vraiment de développer différents outils pour booster cet aspect-là au niveau spécifiquement des industries agroalimentaires, donc notamment en stimulant l'implémentation de capteurs et d'objets connectés tout au long du process. Des différentes industries, mais aussi de développer différents livrables, et notamment, ce dont on parlera tout à l'heure, il y a un petit grésillement, notamment donc, par une cartographie aussi du coup, des offreurs de technologies, de solutions capteurs ou digitales, et aussi on a pu fournir en fait, des supports de formation et des présentations d'offreurs de solutions. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pendant les présentations, si ça ne vous dérange pas? Voilà, merci. Et donc voilà, différents outils donc, pour permettre finalement l'échange et l'accès à l'information, donc soit via une cartographie pour mieux connaître les centres d'expertise et les offres de solutions en lien avec la digitalisation, et des supports de présentation de centres techniques et d'offreurs du coup que nous avons pu organiser et diffuser au cours des 2 premières années du projet. Et enfin, la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, de mettre à disposition en fait des appels à projets pour permettre le financement d'innovation porté par les PME, ce qu'on va appeler le cascade funding. Donc, pour vous présenter rapidement le partenariat, donc on est 15 clusters et pôles ou centres techniques en fait qui vont participer à ce projet, et donc de différents j'allais dire de différentes expertises, soit liées à tout ce qui va être outils connectés, offreurs de solutions, soit plutôt applicatifs, donc qui accompagnent des industries agroalimentaires. Un projet européen, vous voyez la répartition de ces différents partenaires sur les différents pays européens. Donc, comme je vous disais, le projet, il a vraiment pour objectif de booster la digitalisation des entreprises agroalimentaires. On a pu faire le bilan, en fait, on a identifié 4 grands enjeux, en fait, pour les industries agroalimentaires. Donc, notamment d'améliorer l'efficacité et l'efficience de leur production, donc de pouvoir répondre de manière plus flexible à la demande du consommateur, par exemple, mais aussi de pouvoir s'adapter en fonction des matières premières qui sont du coup vivantes et qui peuvent avoir une variabilité au cours de l'année. Aussi de pouvoir toujours améliorer la qualité des produits et notamment de pouvoir renforcer la traçabilité pour répondre aux enjeux là encore des consommateurs. De pouvoir aussi améliorer et maintenir une production durable et des systèmes de production durable. Et puis enfin, de toujours pouvoir assurer une sécurité alimentaire.
Et du coup, on a identifié quatre thématiques prioritaires sur lesquelles on attend en fait les projets d'innovation. Donc, une première thématique autour vraiment donc centrée sur ces capteurs innovants qui permettent de suivre des paramètres d'intérêt en temps réel, que ce soit la qualité, mais aussi des paramètres physico-chimiques pour suivre l'évolution du produit au cours du process. Et donc, voilà, là, l'idée, c'est de pouvoir soutenir le développement ou l'identification de nouveaux capteurs sur des paramètres fondamentaux pour les industries agroalimentaires. On a aussi évidemment la partie implémentation, parce que du coup, comment dire, pour vraiment être efficace par rapport à l'industrie, il faut que ces capteurs ils puissent être intégrés sur des équipements qui vont être directement utilisés par les industries. Donc là, l'idée, c'est de favoriser des collaborations entre les offreurs de solutions techno et digitales pour permettre voilà, d'offrir en fait des équipements pour directement implémenter sur les lignes de production. Enfin, il y a aussi l'aspect de Smart Data Management, donc qui est vraiment en fait de traiter la donnée et comment en fait l'idée c'est de comment transformer l'ensemble de ces données acquises par les capteurs en informations utilisables par l'industrie. Et finalement, l'idée c'est de se dire de mieux connaître en fait le fonctionnement d'un process et l'évolution d'un produit pour ensuite être capable d'anticiper l'évolution et donc et de résoudre du coup les problèmes de qualité et de suivi du produit. Et enfin, un aspect on va appeler plutôt autour de la connectivité donc qui va être l'idée de partager en fait cette problématique finalement de partager les informations entre différentes machines sur ligne de production, voire entre différents sites, et donc plutôt là de soulever des problématiques autour des systèmes de communication, donc de quelle technologie par exemple utiliser, comment sécuriser du coup ces transferts de données par exemple. Voilà, là du coup c'est vraiment ces quatre thématiques, l'idée c'est de vraiment attendre des projets en lien avec ces quatre thématiques prioritaires pour répondre aux enjeux des industries agroalimentaires. Donc, comme je vous disais, là, on va faire le focus sur les appels à projets, donc on va appeler Innovation Voucher, qui vont être lancés du coup à la fin de l'année. Il y aura 3 mois pour répondre à ces projets et on va identifier donc 3 types de vouchers que je vais détailler du coup par la suite. Donc, tout d'abord, les critères d'éligibilité. Donc, seuls les PME sont éligibles au financement. De ces vouchers-là, et il faut être soit membre du réseau de l'un des partenaires du projet S3 Food, donc CIM, BDI ou Innovalliance pour la partie française, soit être localisé sur le territoire de ces partenaires-là. Il faut pouvoir proposer un projet dont le budget maximum représente l'aide qui sera apportée par les vouchers, et il faut être évidemment appliqué aux enjeux que l'on a définis pour l'agroalimentaire. Donc, on va exclure tout ce qui va se passer en amont, notamment au champ. Par contre, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais le post-récolte, tout ce qui va se situer, voilà, post-récolte ou le pré-traitement des tout ce qui peut être notamment lié aux industries de la viande est inclus dans l'industrie agroalimentaire de manière générale. Donc, tout d'abord, l'exploration voucher. Donc là, l'idée de ce premier voucher, c'est de vraiment, comme son nom l'indique, de valider une première étape de développement. Vraiment, c'est une étape de faisabilité. Le montant maximum d'aide, en fait, est de 15 KE. Et là, du coup, toutes les entreprises, donc PME, hein, sont éligibles, que ce soit une entreprise agroalimentaire, un offreur de solutions digitales ou un intégrateur. Et l'idée, en fait, là, est de faire monter en compétence une solution. Donc, on oblige la participation sous forme d'expertise externe d'un centre d'expertise ou d'une solution, enfin, d'un offreur de solutions qui apporte une expertise au partenaire. Et là, toutes les activités de type, enfin, en termes d'activités éligibles, du coup, bah, ce qui va être en lien avec la faisabilité, donc soit une analyse, ça peut être une faisabilité technique, mais aussi de marché, de réglementaire, donc vraiment de valider les premières étapes d'un projet. Donc là, on se situe sur des TRL plutôt autour de 5-6. Ensuite, on a le validation voucher, donc là
qui permet de passer plutôt d'un TRL 5 à jusqu'à un TRL 8 et qui permet la validation d'une solution ou d'un procédé ou d'un produit dans un environnement proche du réel pour répondre aux enjeux du secteur agroalimentaire. Donc là, on a encore toutes les catégories de PME qui sont éligibles, que ce soit une entreprise agroalimentaire, soit des offrants de solutions ou des intégrateurs. Là, le consortium, il peut être soit d'une PME avec un centre technique, soit de deux PME, sachant que le budget maximum, il sera de 120 KE par projet et qu'on peut financer à 60 KE une PME au maximum. Là, le projet, il peut durer jusqu'à 12 mois. Pardon. Et donc là, on retrouve en termes d'activité éligible tout ce qui va être autour de la validation donc dans un environnement proche du réel. On ne demande pas forcément là, du coup, d'être directement sur des lignes d'une entreprise agroalimentaire. Et là, ça peut être vraiment plus une optimisation d'un système, d'une solution existante. Donc là encore, en termes de dépenses éligibles, ça peut être des coûts internes ou des frais d'expertise externes. Et enfin, on a l'application Voucher, donc là qui vraiment, c'est des projets de type TRL, à niveau de TRL, donc qui est l'échelle de maturité technologique des projets, donc vraiment plutôt avancée, donc là au départ de 7 jusqu'à 9 pour vraiment avoir une solution type commercialisable. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de tester, d'implémenter une solution techno dans l'environnement réel, donc sur site d'une entreprise agroalimentaire. Et donc là, on oblige dans le consortium à avoir du coup l'utilisateur final, donc l'entreprise agroalimentaire, qui peut être une PME ou un grand groupe. Là, l'idée vraiment, c'est qu'elle soit, en fait, que l'utilisateur final soit vraiment intégré dans le consortium. Et donc là, on peut financer jusqu'à 180 KE par projet, toujours 60 KE max par PME. Donc là, on retrouve du coup donc tout ce qui est activité éligible, et bien tout ce qui va permettre en fait de faire le scaling up en fait d'une solution dans l'environnement réel. Et on retrouve les dépenses donc de coûts internes et encore de coûts externes qui sont possibles, mais qui sont forcément limitées du coup par rapport au niveau de maturité du projet. Et là, du coup, le projet doit durer 12 mois maximum. Donc, par rapport aux critères d'évaluation, ça va être assez classique, je dirais, par rapport à des projets européens. Donc, on a trois grands domaines qui sont, voilà, sur lesquels on va allouer différents points, en fait. Et donc, on va avoir une première thématique autour de l'excellence technique, de la faisabilité, de la viabilité du projet, donc par rapport aux partenaires, à la problématique et aux retombées qu'on va pouvoir attendre. Ensuite, une partie autour de l'innovation et de pouvoir justifier du coup l'intérêt pour en termes de voilà en termes de caractère innovant et de répondre aux besoins de l'industrie agroalimentaire. Et enfin, en termes d'impact, que ce soit pour les partenaires du projet et pour la filière en général. Donc, là voilà pour la présentation. Je vais passer la parole à Cécile, du coup, qui va vous faire un bilan sur les premiers appels qu'on a pu lancer et un peu les retours d'expérience, les conseils que voilà qu'on a pu déjà maintenant un peu collecter pour pouvoir répondre à ces appels. Je te laisse Cécile, tu veux défiler. que je... Oui, je garde la main, je fais défiler les slides. Ouais, je n'ai pas forcément besoin de prendre la main là-dessus. OK. Par contre, faut que tu me mettes la suivante, Géraldine. Donc, il y a déjà eu un appel à projet S3 Food qui a été lancé cette année, en début d'année. Donc, on a plusieurs projets sélectionnés. On va vous présenter un petit peu le nombre de projets sélectionnés. Donc, sur les différents outils, ce qui fait qu'on a des projets finalement qui sont aujourd'hui financés sur des thématiques plutôt d'études de faisabilité, d'études de marché, études de faisabilité, jusqu'à des projets d'implémentation réelle de technologies type capteurs ou autres technologies associées. Directement sur des chaînes de production en industrie agroalimentaire. Donc, une gamme très très large de projets financés. On a des solutions très digitales, des solutions un petit peu moins digitales. En tout cas,
des choses plutôt appliquées et sur tout secteur des IA, sur le secteur de la viande, des céréales, des fruits et légumes, des pâtisseries. On a vraiment, vraiment des choses très variées. Par rapport au premier appel à projet et ce qui est attendu de deuxième appel à projet, donc sur le premier appel à projet, on a bien les trois outils qui étaient présents avec beaucoup de projets sélectionnés sur la phase exploration, donc tout ce qui est études de faisabilité, études de marché. Donc 35 projets sur cet outil-là et puis 5 projets sur le validation qui est plutôt le prototype TRL 5.7 et 4 projets d'application où là on est vraiment dans l'industrie agroalimentaire avec des TRL plus élevés. Donc le montant global qui a été débloqué est d'1 700 000 euros, 765 000 euros. Et pour ce deuxième appel à projet que l'on s'apprête à lancer, il y aura à peu près 10 projets d'exploration sélectionnés, 4 ou 5 en validation et 3 ou 4 en application. Donc on a un outil qui est facile d'accès, mais qui n'en est pas pour autant non compétitif. Puisqu'on voit bien que sur le premier appel à projet, on a eu plus de 100 projets déposés et le nombre de projets sélectionnés est celui que vous voyez. Donc sur le deuxième appel, on ne sait pas combien de projets seront déposés, mais le nombre de projets sélectionnés ne sera pas énorme. Donc avec un budget donc pour le deuxième appel d'1 300 000 euros à peu près. Ce sera le dernier appel sur le projet S3Food. Des conseils pour l'évaluation. Alors, des conseils, pas vraiment pour l'évaluation, mais pour vous aider à rédiger les projets issus de la première évaluation. On s'est rendu compte que certains projets étaient excellents, mais ne passaient pas. Alors, parce que parfois, l'outil n'était pas bien choisi. Il faut vraiment réfléchir à l'outil que vous allez utiliser. Donc, l'exploration, on est sur des montants inférieurs. On est sur des montants de 15 000 euros. Mais sur une phase exploratoire, comme son nom le dit. Et pour les outils validation et application, on est dans un cas plutôt sur du TRL moyen, 5-6, et TRL plus élevé pour les autres. Et surtout pour l'application, on doit impliquer une industrie agroalimentaire. Donc un projet sans industrie agroalimentaire qui demande un voucher application a toutes les chances de se faire retoquer. Donc, dans ce cas, il vaut mieux aller sur de la validation à vérifier au niveau du TRL et de la maturité du projet. Mais voilà, il faut vraiment bien choisir l'outil parce qu'un très bon projet peut se faire retoquer parce qu'il a demandé le mauvais outil. Il faut bien répondre aux questions, c'est tout bête, mais le document de dépôt du projet guide très très bien. Il y a vraiment des choses qui sont attendues, c'est bien guidé. Donc si vous ne répondez pas vraiment aux questions, là pareil, le système de notation fait que vous êtes retoqué même si votre projet est très très bon. Il faut être clair et concis. Il y a un nombre de mots limité dans chacune des questions qui vous est posée. Vous répondez avec un nombre de mots limité. Donc, il faut vraiment, vraiment faire un effort de concision. Il ne faut pas négliger de présenter les besoins des IA auxquels vos technologies répondent, notamment quand vous êtes sur l'exploration, la validation, vous êtes un fournisseur des technologies. Il faut que vous soyez renseigné sur les besoins des IA et il faut le mettre ce que vous avez compris de leurs besoins et ce que vous allez faire pour répondre à ces besoins dans le document. Si vous n'expliquez pas qu'il y a un besoin dans ces IA de vos technologies, de vos propositions, vous allez vraiment, vraiment réduire votre note et le projet, encore une fois, risque de ne pas passer. Pas parce qu'il n'y a pas de besoin, mais simplement parce que vous ne les aurez pas identifiés et rédigés dans le document. D'autre part, il faut justifier clairement l'inscription dans les thématiques prioritaires. Géraldine vient de vous présenter les thématiques prioritaires et les technologies qu'on attend et aussi les besoins des IA auxquels ces technologies répondent. Dans le document que vous avez à rédiger dans la proposition de projet, vous avez identifié ces thématiques et ces technologies et ces besoins des IA. Il faut que vous sélectionniez ceux auxquels vous répondez. Derrière, il faut aussi les justifier clairement en quoi vous répondez à ces thématiques. Et si
Vous ne répondez pas à ces thématiques avec votre solution. C'est pas utile de déposer sur S3 Food parce que vous ne serez pas retenu. Si vous y répondez, c'est bien, c'est le minimum, mais il faut le justifier, sans quoi vous ne serez pas retenu non plus. Donner des arguments chiffrés et ou avec référence. Donc, tout ce que je viens de vous dire précédemment, il faut justifier. Il faut justifier, oui, mais dire que les entreprises ont besoin de ça, 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 c'est bien. Si les concurrents le prouvent avec des chiffres et des références, ils auront un avantage sur vous, ils seront mieux notés. Donc, pensez, dans la mesure du possible, à justifier vos choix. Si vous avez besoin d'aide pour ça, vous pouvez aussi faire appel à nous, au pôle de compétitivité, à toutes les structures qui ont déjà une veille, qui ont déjà des outils qui leur permettent éventuellement de vous aider à expliquer, à justifier, à trouver de la matière et des références pour pouvoir justifier que ce besoin-là, bah, il existe, il est réel et que vous allez le couvrir. Il faut aussi donner des éléments justifiant l'expertise des sous-traitants, comme vous l'avez vu. Comme Géraldine vous l'a exposé, sur certains outils, on a besoin de faire appel à de la sous-traitance. Derrière, vous allez sélectionner un sous-traitant sur la base de ses compétences. Il faut l'expliquer dans le document. J'ai choisi ce sous-traitant parce qu'il a telle et telle référence qui me font penser que c'est le bon sous-traitant, c'est vraiment celui qui va m'apporter la meilleure expertise pour répondre à mes besoins. Ça, c'est important à mettre dans le dossier, comme pour tous les autres points. On va évaluer le dossier là-dessus et vous n'aurez pas tous les points nécessaires pour faire passer votre dossier si vous n'expliquez pas en quoi soit votre partenaire technologie, soit votre sous-traitant est le bon partenaire pour répondre à votre projet. La présentation du budget, il faut un budget cohérent évidemment avec les actions que vous menez et il faut surtout ne pas demander un budget supérieur à 60 000 euros par PME. Qui est le budget maximum qui pourra être débloqué dans le cadre des projets sélectionnés par S3 Food. Donc ça, c'est important. Il n'est pas impossible que votre projet demande plus de budget que cela. Donc ça, vous pouvez le dire dans le document. Moi, mon projet, il va me coûter 120 000. J'en demande 60 parce que j'ai bien conscience que c'est 60 qu'on me donnera au maximum. Dans ce cas, vous présenterez les actions dans le document qui seront budgétés avec les 60 000. Vous pouvez expliquer que d'autres actions seront menées en dehors de ce budget-là. Mais quand vous demandez le budget à la fin de la proposition dans le tableau qui récapitule le budget, ne mettez pas plus de 60 000. Dans le premier appel à projet, on évaluait ces projets. Dans le futur appel à projet, ils seront enlevés au moment de la phase d'éligibilité. Donc, ce sera vraiment un critère de non-éligibilité. Non éligibilité, si vous demandez plus que ce que l'outil peut vous proposer. Donc, pour rappel, c'est 60 000 par PME, c'est 120 000 maximum au total pour un projet d'application, c'est ça, et 180 000 maximum pour tout le projet de validation. Petit rappel pour les entreprises qui auraient éventuellement déjà déposé sur un outil, notamment un outil d'exploration et qui se serait vu financer à hauteur de 15 000, elles peuvent déposer un nouveau projet d'exploration ou de validation ou d'application, mais il faut enlever ces 15 000 que vous auriez déjà reçus des 60 000 maximum que vous devez demander. Alors, si, c'est bon, passe à la suivante. Je me remets juste les idées en place. Ne présentez que des projets portant sur les IA. Ah oui, c'est ça. On a reçu beaucoup de projets portant plus sur la digitalisation de l'agriculture et pas de l'industrie agroalimentaire. L'outil S3 Food est réellement dédié aux industries agroalimentaires. Tant qu'il n'y a pas de transformation ou à minima de packaging sur l'aliment, le projet ne passera pas la phase d'éligibilité. Donc, il sera systématiquement retoqué s'il ne porte pas sur le process agroalimentaire. Alors, il ne faut pas négliger la partie identification des risques et justification des risques. On a un volet
dans la proposition qui vous demande d'identifier les risques. Alors, identifier les risques, c'est quelque chose de très classique sur les projets européens. L'idée, ce n'est pas de vous mal noter parce qu'il y a plein de risques dans votre projet. L'idée, c'est de faire état des risques que vous avez identifiés en amont du projet, mais également de dire ce que vous allez faire pour limiter ces risques. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir des risques. Après, si vous en avez énormément, évidemment, c'est problématique. Ça peut poser la question sur le pourquoi vous menez ce projet alors même qu'il y a des risques. Mais si vous êtes capable de justifier en face sur chacun des risques identifiés, les mesures que vous allez prendre et que ces mesures, eh ben, elles paraissent réalistes, dans ce cas, c'est plutôt très positif dans le cadre du projet d'être capable de montrer tout ça. Ça montre que vous savez où vous allez et que vous n'allez pas vous planter, potentiellement pas vous planter, parce que vous avez déjà en tête les actions à mener si jamais des risques apparaissaient. Et enfin, on ne dépose qu'une seule application par projet. Donc, une application, si vous êtes partenaire dans un projet, vous ne déposez qu'un seul dossier dans lequel vous identifiez bien l'ensemble des entreprises partenaires, donc uniquement des PME, pour le volet financer et vous détailler ce que font les uns et les autres et le budget qui leur sera alloué. La carto. Dans le cadre du projet S3 Food, on a ces activités d'appel à projet, mais on a également d'autres activités. Donc en amont, on avait toute une activité d'analyse, de brainstorming, d'analyse des besoins des entreprises pour essayer de trouver quels étaient les besoins et sur quoi on allait financer les entreprises. Et on a également tout un volet d'identification des compétences technologiques. Donc, sur la base de ces premières analyses, on a identifié des technologies clés qui peuvent être utiles pour les industries agroalimentaires. Ces technologies-là, on a derrière des entreprises, des centres techniques, ce qu'on appelle nous des Living Labs, qui peuvent proposer cette expertise à des entreprises agroalimentaires ou à des équipementiers. Ou à d'autres types d'entreprises sur la chaîne de valeur des filières alimentaires. Donc, on a mis en place, dans le cadre du projet S3 Food, une cartographie des compétences qui existent dans les différentes régions partenaires du projet S3 Food. Donc, si vous êtes intéressé de technologie, que votre technologie intéresse les IA, n'hésitez pas à aller sur le site S3 Food. Donc, vous avez ici une capture d'écran de la partie dédiée à cette cartographie sur le site S3 Food. Donc, vous pouvez demander, vous avez un petit bouton Add Organization, vous pouvez cliquer dessus, vous aurez un petit formulaire qui vous permettra de faire votre demande. La demande nous sera adressée et ensuite, on vous enverra le questionnaire qui va pouvoir vous permettre de remplir votre profil qui sera ensuite mis en ligne sur la carto. L'objectif, c'est d'être visible pour les industries agroalimentaires, les équipementiers, éventuellement d'autres fournisseurs de techno avec lesquels vous pourriez créer des partenariats, sur lesquels vous pouvez faire un partenariat commercial, technologique, peu importe. Et ça peut aussi, bien évidemment, déboucher sur un projet qui sera financé dans le cadre du deuxième appel à projet S3 Food. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes fournisseur de techno, à faire une demande pour ajouter vos compétences sur cette carte. Et si vous êtes un équipementier ou une industrie agroalimentaire ou un fournisseur de techno qui cherchait un partenaire technologique, n'hésitez pas aussi à aller regarder sur cette carte. Vous avez plusieurs entrées possibles pour faire des recherches. Une entrée technologie, je cherche un fournisseur de technologie NIR en France, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Je vais aller identifier ceux qui sont déjà référencés sur cette carte. Et derrière, vous pouvez contacter directement le fournisseur. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette entreprise, vous pouvez aussi contacter les membres du partenariat S3 Food. Donc, vous pouvez contacter Géraldine d'Innovalliance, Loïc de CIM ou moi de BDI. Et on peut aussi vous donner de l'information sur ces entreprises. Voilà, ben je suis allée un petit peu plus vite, effectivement. Vas-y, tu peux passer à la suivante. C'était cette idée. Contactez-nous si vous avez aussi besoin d'informations plus qualifiées, parce qu'évidemment, sur une carto, on met de l'information que l'on peut diffuser.
On met une information qui est assez restreinte aussi parce qu'en termes de place, on peut pas mettre des tonnes d'informations sur chacune des entreprises. Donc on a un système de classification, on présente certaines technologies, mais il y a aussi toute cette connaissance du réseau qui peut vous permettre aussi d'être plus efficace dans votre recherche et d'aller aussi mettre en contact plus facilement les entreprises. C'est toujours plus facile de passer par quelqu'un qui connaît l'entreprise que d'envoyer un email sans être mis en relation. Donc ça, c'est vraiment l'objectif du projet S3 Food, l'objectif de chacun de notre structure au niveau régional, et puis l'objectif du projet S3 Food pour faire monter tout ce réseau au niveau européen. Donc recherche de partenaires, mise en relation, accompagnement aussi sur la pertinence, la cohérence des projets. On vous conseille vraiment de ne pas déposer seul. Vous pouvez le faire, bien évidemment, mais on peut relire vos copies, on peut relire les projets que vous allez déposer et vous alerter sur la pertinence de déposer ou bien sur simplement la manière dont vous pouvez améliorer vos projets pour alors pas être sûr qu'ils passent, hein, on est sur un outil compétitif malgré tout, mais en tout cas pour maximiser les chances que l'outil passe. D'autre part, le fait de vous accompagner, ça nous permet aussi éventuellement de vous orienter sur des outils nationaux. Projet, s'il ne passe pas sur S3 Food, il peut peut-être être redirigé en termes de thématique, si la thématique n'est pas bonne, sur d'autres outils européens. Et puis, si jamais il ne passe pas sur S3 Food, on peut le rediriger sur d'autres outils qui permettent le financement. Et voilà, la relecture du dossier. Ok, super, merci. Là, du coup, on va passer aux présentations des différents centres d'expertise ou Living Lab. Loïc, je te laisse la main pour présenter la DIV. Oui, merci Géraldine et Cécile pour la présentation. Donc effectivement, je vais vous passer une vidéo qui a été préenregistrée avec Mathieu Alric de la DIV, qui malheureusement ne peut pas être disponible ce matin, mais bon, voilà, il a tenu à être présent malgré tout via cette vidéo. Donc je vais vous la. Il faut que j'arrête le partage. Je pense que Tu c'est peux bon. prendre? Ok. Je pense que vous voyez. Donc, n'hésitez pas hein, pour le son, s'il y a des problèmes de son et d'image, voilà, n'hésitez pas à le signaler. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mathieu Alric, je me présente. Donc, je suis chargé d'études à la DIV et donc je vais vous présenter nos activités. Tout d'abord, la DIV existe depuis plus de 45 ans et donc nous travaillons à apporter notre expertise aux entreprises de l'aval des industries carnées. C'est-à-dire pour les activités d'abattage, de découpe et de transformation des viandes. Et nous sommes capables de travailler pour les problématiques de toutes les espèces de viande possibles, bovines, ovines, porcines et volailles. Et donc nous apportons notre expertise pour trouver des solutions aux problématiques des entreprises carnées. En profitant donc d'équipes pluridisciplinaires de plus d'une vingtaine de personnes et d'un partenariat fort avec le monde de la recherche. La DIV dispose de deux labels. Tout d'abord, nous sommes reconnus par le ministère de l'Agroalimentaire comme un institut agro-industriel, un centre ITAI. Et nous faisons aussi partie donc de l'association des sociétés de recherche sous contrat, l'ASRC, qui est reconnue par BPI comme donc des sociétés faisant de la R&D et d'innovation en France. En termes d'activité, celle-ci se répartit en trois lots. Tout d'abord, pour plus de 60%, nous réalisons donc des prestations sur mesure pour les entreprises, pour répondre à leurs problématiques. Mais nous sommes aussi donc impliqués dans beaucoup de projets de R&D, soit en réponse à des appels à projets des interprofessions, donc des appels à projets d'intérêt collectif, soit dans des projets de R&D partenarial et collaboratif. Enfin, la DIV a récemment intégré le capital d'un gros laboratoire d'analyse microbiologique, le laboratoire AQMC, qui nous permet donc de renforcer notre capacité d'analyse de produits et d'analyse microbiologique. Et cette démarche aussi de se diversifier en termes d'analyse rejoint aussi la volonté de la DIV à terme de se diversifier sur d'autres secteurs que simplement l'industrie carnée.
Donc, nous visons aussi à nous diversifier sur des secteurs plus larges agroalimentairement. Donc, comme je vous le disais, une grosse partie de notre activité vise à réaliser des prestations pour les entreprises. Et donc, tout d'abord, je vous présente ici les prestations que nous sommes capables de réaliser pour chacune des étapes de l'aval des filières viande. Donc, nous sommes capables d'intervenir en termes de protection animale, de formation de personnel en protection animale, en termes de conformité réglementaire, en termes d'optimisation aussi de la maîtrise de la sécurité sanitaire de produits. On peut aussi travailler à l'évaluation et l'optimisation des performances d'opérations unitaires, pour le développement aussi de produits innovants ou de procédés innovants. Ensuite, nous pouvons aussi travailler à l'élaboration de nouveaux produits en intégrant donc la formulation d'ingrédients, de ferments, de recettes et aussi d'amélioration de l'emballage et donc optimiser ensuite donc les procédés, la qualité des produits, voire aussi travailler sur des volets nutritionnels et sur aussi l'étiquetage des produits. Ensuite, nous pouvons aussi intervenir de manière transverse dans des études pour les filières viande sur deux dimensions. Tout d'abord, les aspects de pré-ingénierie. Nous pouvons accompagner aussi les entreprises dans des projets d'investissement, c'est-à-dire dans des projets de construction ou de réaménagement d'outils de production, d'abattage, de découpe ou de transformation. On peut accompagner aussi les entreprises dans la conception d'équipements ou de solutions plutôt innovantes, mécaniques et robotiques, et intervenir sur des volets plus spécifiques relatifs à la conformité réglementaire, à l'évaluation de performance industrielle, type froid, aérolique, etc. Et on peut aussi réaliser des plans d'usine, car nous sommes aussi équipés pour, dans nos projets de conception, définir donc les locaux et tracer les plans d'usine carnés. Ensuite, on travaille aussi sur un deuxième volet transverse qui est relatif à tout ce qui est économique et stratégique. Et donc, on peut réaliser des études en termes de marketing ou des études de marché, réaliser des veilles ou des analyses de tendances de consommation, étudier l'acceptabilité aussi des consommateurs de certains produits, évaluer la performance et la compétitivité d'outils à travers des thématiques comme le lean management, ou réaliser des études un peu plus larges, stratégiques d'entreprise pour se positionner sur des marchés. Et enfin, le dernier type de prestation aux entreprises que nous pouvons réaliser, donc c'est tout un catalogue de formations que l'on peut proposer aux entreprises. Donc des formations que l'on peut réaliser soit sur notre site à la DIV, comme on va le voir avec notre plateforme, ou sur les sites des entreprises. Et donc, ça peut être des formations qui sont soit intra-entreprise, soit inter-entreprise, sous la forme de séminaires collectifs. Et donc, on peut former suivant toutes les thématiques possibles de besoins en formation des entreprises carnées, autour de la protection animale, du développement de nouvelles technologies, de la maîtrise de la qualité des produits, la formation hygiène et bonnes pratiques et sécurité sanitaire, etc. Donc, pour réaliser toutes ces interventions et ces prestations, on s'appuie sur un certain nombre de moyens. Tout d'abord, avec des équipes d'experts métiers, une vingtaine d'ingénieurs et techniciens spécialisés sur toutes les dimensions et facettes de l'activité des industries carnées, et aussi les compétences scientifiques et techniques qu'il faut maîtriser pour être capable d'améliorer les procédés. Ensuite, on s'appuie aussi sur une plateforme agroalimentaire qui est agréée CE, donc, c'est-à-dire qui est contrôlée au même rang que des industries carnées, donc à l'intérieur de laquelle on peut travailler sur des produits concrets, des produits de viande, où l'on est capable de reproduire toutes les opérations unitaires de découpe et de transformation, voire même de conditionnement et de vieillissement de produits. Au sein de cette plateforme, on dispose aussi d'une cellule robotique qui nous permet aussi de mener nos projets d'innovation en termes d'automatisation de procédés. Et enfin, on dispose de laboratoires qui nous permettent de faire des analyses à la fois physico-chimiques ou bactériologiques et microbiologiques, avec des degrés de sécurisation allant jusqu'à des laboratoires de niveau P2.
Et enfin, on dispose d'un atelier de maintenance qui nous permet de faire la maintenance, donc un atelier de chaudronnerie qui nous permet de faire la maintenance de notre plateforme, mais aussi d'assembler et de concevoir nos prototypes innovants. En termes de répartition géographique, on intervient dans la France entière, mais aussi dans les DOM-TOM, selon les opportunités, ponctuellement à l'étranger. Alors, à la suite donc, de cette présentation de nos prestations sur mesure, comme je vous le disais au démarrage de ma présentation, nous sommes aussi reconnus par le ministère de l'Agroalimentaire comme un institut technique agro-industriel, donc un centre ITAI, qui nous permet de proposer, de monter et de piloter des partenariats de R&D qui peuvent avoir deux formes, soit des réseaux mixtes technologiques, des RMT, où là, c'est la mise en partenariat d'acteurs sur le territoire national autour d'une thématique spécifique pour les filières agroalimentaires, ou sinon, on pilote aussi des unités mixtes technologiques, où là, le cahier des charges est plutôt une unicité de lieu, donc des partenariats proches, un pilotage par un centre ITAI avec des partenariats, avec des laboratoires scientifiques et techniques sur une thématique donnée. En termes d'illustration de ces projets de R&D, depuis 10 ou 20 ans, plus d'une vingtaine d'années, on a pu donc mettre au point des procédés innovants. Donc on dispose maintenant d'une douzaine de brevets et régulièrement, sur la durée de 3 ans, on pilote jusqu'à 45 projets de R&D. Donc, pour ce qui me concerne, depuis plus de 10 ans maintenant à la DIF, je pilote des UMT successives qui travaillent sur les thématiques de mécanisation robotique dans ces premières versions, qui ont évolué ensuite en intégrant des dimensions de développement de solutions d'assistance à l'opérateur, où au parallèle de l'automatisation, on vient ensuite maintenant assister l'opérateur avec des solutions de type exosquelette ou cobot. Et plus récemment, donc dans la dernière version du UMT que je pilote, qui a démarré en 2019, qui est l'UMT Agrobergo, on a ensuite intégré la dimension d'ergonomie au travail, et donc où on souhaite travailler encore plus sur la dimension de l'intégration de l'homme dans les choix de conception et de définition de solutions technologiques. Et donc cette UMT, donc structurée de la manière en son sens. Elle travaille donc sur la thématique d'ergonomie de manière transverse et donc qui résonne donc dans trois axes connexes. Un axe qui vise à développer donc des ressources humaines opérationnelles, au travers duquel on va notamment travailler sur deux nouveaux projets qui vont démarrer, où on souhaite développer des simulateurs de réalité virtuelle d'apprentissage au métier de désossage et de découpe de viande. On travaille aussi sur le volet analyse ergonomique de postes concrets de travail, comment améliorer l'ergonomie de postes humains. Et ensuite, deux autres axes connexes. L'axe 2 qui donc continue à travailler sur l'assistance, le développement de solutions d'assistance mécatronique aux opérateurs. Et donc, au sein duquel on a mené le projet ExoScarm qui a permis donc de mettre au point deux prototypes. Un démonstrateur donc, de cobot et un démonstrateur d'exosquelette d'assistance à la découpe. Et donc, sur la voie exosquelette, on est en partenariat avec un intégrateur pour envisager l'industrialisation de ce produit. Donc, fiabiliser la solution pour qu'elle soit testable et utilisable en industrie à partir du projet de R&D qu'on avait mené en amont. Et enfin, le dernier axe, c'est l'axe 3, qui est historique pour les différentes UMT que j'ai pu piloter, mais qui conserve donc les travaux autour de la mécanique, la mécanisation et robotisation d'opérations unitaires dans un objectif d'automatisation, où là, historiquement, on a déjà pu mettre en place dans des projets de R&D des cellules robotiques de découpe de carcasses, comme on peut le voir sur la photo, pour la mise en quartier de carcasses de bovins. Travailler sur des projets de R&D, même de découpe multi-robots avec le projet ARMS, et où l'on reste encore ouvert à de futurs projets d'automatisation ou de robotisation de process futurs.
Donc voilà, j'espère que ma présentation a pu vous éclairer donc, sur les différentes facettes des activités de l'ATIV, même si cette présentation est relativement succincte en une dizaine de minutes. Mais donc je reste ouvert à tout contact et future collaboration possible. Donc vous trouvez donc sur cette dernière page nos coordonnées téléphoniques et email pour nous contacter. Et sinon, n'hésitez pas à revenir auprès du pôle SIM pour me contacter si vous avez des projets d'innovation mécanique, robotique ou technologique. Merci et à bientôt, j'espère. Là. Donc voilà pour la présentation de l'ADIV. J'espère que ça a bien été clair pour tout le monde. Si vous avez des questions par rapport à l'ADIV, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Géraldine, je te laisse la main. Ok, merci. Donc là, je remets la présentation. Est-ce que vous voyez toujours vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Oui, ok, super. Donc là, du coup, je vais laisser la main à Nathalie Pagnel qui va nous présenter le Centre technique agroalimentaire, le CTCPA. Oui. Attendez, je vais charger la présentation. Non, je peux vous passer les slides si vous voulez. Oui, si vous voulez. Ok. Attendez, je enlève. Voilà. Donc, le Centre technique de la conservation des produits agricoles, donc, comme l'a dit, en fait, on a un centre technique qui fonctionne aussi en système d'UMT, j'y reviendrai un peu plus loin, et parmi les différentes thématiques de recherche, en fait, on a une thématique qui est dédiée aux biocapteurs. Donc, ça va être l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc on a un institut de recherche agroalimentaire, on est institut technique agro-industriel, donc un ITAI, et on dépend du ministère de l'Agriculture. On est donc réparti sur 6 sites en France, notre siège social est sur Paris. On a donc une équipe amiénoise qui, dans la spécialité et tout ce qui concerne les traitements thermiques, ils dépendent d'une halle technologique et actuellement on est en train de se rapprocher de l'école Unilassalle pour du coup mettre à profit les compétences du CTCPA et aussi d'Unilassalle pour tout ce qui est traitement et traitement novateur type utilisation d'APA, peroxyde d'hydrogène, etc. Nous avons une équipe nantaise qui est elle spécialisée sur plutôt les hautes pressions et avec un fond de traitement thermique aussi. Hoche, qui, elle, de par sa région, en fait, est dédiée aux palmipèdes à foie gras. Bourg-en-Bresse, qui est un laboratoire, lui, plutôt emballage et aussi un dosage de résidus au sein des boîtes, donc les plans vernis, etc., ont été menés par cette équipe. Et l'équipe d'Avignon, qui est constituée en fait de deux unités, une unité donc technologique avec la halle technologique d'Avignon. Donc, qui elle appartient au CTCPA. Et dans cette halle, on peut conduire l'ensemble des barèmes proposés par les clients, faire des systèmes d'unités pilotes aussi pour nos clients. Donc on peut les aider à développer leurs produits, les guider aussi sur ce qu'ils souhaitent réaliser. Et enfin, on a le laboratoire de microbiologie. Donc lui qui est spécialisé en fait sur les flores sporulées, en plus d'être spécialisé sur les flores alimentaires, qu'elles soient pathogènes ou non. Et au sein de cette équipe, on a donc cette recherche sur les biocapteurs qui s'est mise en place. Donc le CTCPA est historique, on a été créé en 1950, donc on date de l'après-guerre. Le but c'était de fabriquer des conserves de produits déshydratés et des produits déshydratés, donc le tout pour mieux conserver les produits. On a donc une mission d'intérêt général qui est dédiée au service de la filière, donc la filière des conserveurs. On va donc les soutenir au travers de projets R&D notamment. On les soutient aussi en les aidant à transférer par exemple les nouvelles normes sur leur process ou dans le cas par exemple du plan boîte, à retirer le bisphénol A des boîtes pour les guider sur des boîtes exemptes de bisphénol, mais tout en réalisant des nouveaux barèmes de traitement, en réadaptant aussi les conditionnements. On a un contrat de performance tripartite entre donc l'État, qui est donc le ministère de l'Agriculture, pour nous, la FIAC, et nous-mêmes, donc nos industriels. En fait. Donc on travaille beaucoup sur l'innovation de par la veille. Non, c'était pas bon, merci. De par les veilles technologiques.
On va aussi procéder à des innovations en termes de, par exemple, de produits, tout simplement, de nouvelles formulations, des désirs d'industriels d'innover sur, sur certains plats cuisinés, par exemple. On va innover aussi au niveau des packaging et tout simplement du process. On a une grande innovation aussi en termes d'industrialisation. On a une équipe qui permet aux industriels de développer des nouvelles chaînes de production. Et on intervient sur les performances industrielles, donc en aidant les industriels à mieux maîtriser leurs procédés pour optimiser les qualités des produits. On va organiser aussi tout ce qui est production. On les guide aussi en termes économiques. On va aussi les guider aussi en termes de développement durable. Et en termes de sécurité sanitaire, donc c'est le laboratoire d'Avignon qui rentre en jeu, où on va donc intervenir pour la sécurisation des procédés, toujours aussi réaliser la veille réglementaire. On est aussi orienté sur la microbiologie industrielle, donc toute l'expertise des sporulés, qu'ils soient hautement thermorésistants ou d'une thermorésistance classique. On va aussi intervenir avec Bourg-en-Bresse pour comparer l'alimentarité des emballages. Et enfin, on va guider aussi le management de la sécurité des aliments. On va aussi, pour ce faire, réaliser des formations, quels que soient nos sites. Nous sommes tous formateurs en fonction de nos thématiques, soit de recherche, soit de nos thématiques de travail au sein du CTCPA. Pour la diapo suivante. Merci. Et donc les biocapteurs au CTCPA ont pour but en fait de mettre en évidence des agents biologiques ou des agents chimiques, qu'ils soient qui relèvent d'un risque ou bien tout simplement d'une présence tout à fait normale, qu'ils soient présents sur des surfaces, sur des sols, de l'eau, dans l'air ou bien dans les aliments. On va donc utiliser différentes méthodes, des méthodes qui sont bien souvent normalisées, qu'elles soient des méthodes microscopiques, culturelles, biochimiques, immunologiques ou de la biologie moléculaire, qui vont nous permettre donc de détecter, quantifier les agents biologiques, donc qui sont des bactéries à l'état végétatif ou bien à l'état sporulé. Ou alors on va essayer de mettre en évidence et de doser, de quantifier des agents chimiques, donc soit par méthode chromatographique, immunologique et enzymatique. Le problème, c'est qu'on va se retrouver confronté à différents verrous technologiques. Et ces verrous technologiques sont les tas de viandes non cultivables que l'on retrouve chez les micro-organismes, la présence de biofilms, qui va pouvoir rattraper les organismes, mais aussi certains agents chimiques. La spore, qui est difficilement fracturable et donc difficilement cultivable si les conditions ne sont pas réunies. L'ADN est difficilement extrayable d'une spore, demande quand même des compétences assez particulières. On est confronté aussi à de forts effets matrices en agroalimentaire. La durée des analyses, qui est extrêmement problématique, puisque on va pouvoir donner un résultat dans une quinzaine, 3 semaines, pour pouvoir invalider ou valider la mise sur le marché d'un lot, donc ce qui est problématique pour les industriels, puisque ça correspond à des pertes financières qui peuvent être assez conséquentes. Et du coup, dans l'équipe de microbiologie, on a développé cette thématique de biocapteurs, des biocapteurs qu'ils soient optiques ou bien qu'ils soient électrochimiques. Donc un capteur optique, c'est un système comme un test de grossesse, finalement, où vous allez déposer votre échantillon à la surface de ce petit test et vous aurez une petite bandelette qui apparaîtra si votre organisme ou votre agent chimique est présent dans votre milieu, ou bien le système électrochimique qui se rapproche, lui, du système du glucomètre, donc pour mesurer la glycémie, où vous avez une petite électrode sur laquelle on va déposer notre produit, on va afficher l'électrode dans un lecteur et on aura un résultat avec une valeur numérique. Donc l'ensemble des capteurs que l'on peut développer font actuellement l'objet d'un projet Carnot Caliment, donc c'est le projet Sport Quantum. C'est un projet avec une thèse dessus, il a démarré il y a un an maintenant. Et ce projet a pour but donc de développer des biocapteurs optiques et électrochimiques pour détecter et quantifier des spores de bactéries hautement thermorésistantes au sein de matrices type légumes verts et produits laitiers. On peut aussi développer différents biocapteurs, tels que pour dédiés à la reconnaissance de l'ocratoxine, que l'on pourra à ce moment-là détecter dans de la bière, par exemple, dans du vin aussi. On peut aussi développer des systèmes de capteurs pour tout ce qui est agent type antibiotique, donc par exemple la pénicilline G dans le lait, ou encore tout simplement la quantification du lactose dans les produits laitiers
pour s'assurer que les produits délactosés ont bien la concentration minimum requise. Donc voici pour la partie recherche du CTCPA et je suis à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Ah oui, merci, il y a une diapo, pardon, une diapo supplémentaire. C'est mon collègue qui m'a glissé ça. Oui, alors pourquoi les biocapteurs en agroalimentaire? Tout simplement parce qu'ils sont extrêmement robustes, hein, donc peu sensibles aux variations physico-chimiques. Donc ils sont capables donc de résister à des grandes variations de température. Donc on n'a pas besoin de les conserver en chaîne de froid. On peut les prendre avec nous dans notre sac à dos et les emmener au bord d'une ligne, aucun problème. On va aussi limiter les risques de contamination. Ce sont des matériels qui peuvent être jetables. On peut aussi, malgré tout, avoir des jeux de biocapteurs réutilisables. Donc, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut les emmener sur site? Est-ce qu'ils sont utilisés par des personnels qualifiés ou pas? Donc là, on choisira de partir sur un matériel jetable ou au contraire réutilisable. L'avantage, c'est qu'ils vont permettre d'augmenter la précision analytique. On va obtenir un résultat très rapidement. Une méthode donc culturelle classique avec une validation d'identification prend à peu près 3 semaines. Là, en quelques minutes, maximum 1 heure, on aura un résultat. Les seuils de détection sont assez bas, on peut détecter de l'ordre de 5 UFC à 1 UFC de bactéries dans un échantillon. Ils sont peu onéreux, un petit biocapteur coûte quelques euros et ils sont très simples d'utilisation. N'importe quel opérateur peut être à même d'utiliser le biocapteur puisqu'on en utilise finalement un petit peu dans la vie de tous les jours et on n'est pas formé à cela. Donc voilà, maintenant c'est vraiment la dernière diapo de la présentation. Merci, merci. Merci. Du coup, je vais laisser la main du coup pour présenter maintenant le pôle cristal. Je vous laisse prendre la parole, je vais glisser les slides du coup. Je vous remercie, Madame Croze. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ma R&D, je suis ingénieur commercial au Pôle Cristal et je vais essayer de vous présenter la structure le plus clairement possible en moins de 5 minutes. Vous avez 10 minutes. Hein. Ok, je peux faire même 1 heure s'il y a besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter dans les grandes lignes le fonctionnement de la structure dans un premier temps et puis je reviendrai sur 2 projets dont j'ai le droit de parler et qui me semble intéressant pour illustrer l'activité qu'on pourrait avoir dans le cadre d'Estrois Food, sachant qu'elle est évidemment beaucoup plus large que ça, mais comme mes partenaires de la DIV et du CTCPA avant. Donc, le Pôle Cristal, c'est une petite unité, on est structuré sous forme d'association, on est une douzaine de personnes et on a un centre technique qui travaille dans le domaine de la réfrigération et du génie climatique. On a l'habitude de se qualifier de centre d'essai et d'innovation dans la mesure où on essaye d'avoir une approche la plus pragmatique possible des thématiques qui nous sont soumises. Pour faire vite sur les acronymes divers et variés, donc on est labellisé CRT comme le CTCPA et la DIF d'ailleurs, donc centre de ressources technologiques. Ça veut dire qu'on répond à un cahier des charges du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans notre manière de mener nos projets. Et ça a surtout l'avantage de nous octroyer d'office l'agrément pour le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Nos thématiques de travail principales, alors contrairement au CTCPA et à la DIF, pour le coup, on est plutôt des spécialistes d'une technologie et d'un procédé physique qui peut ensuite s'appliquer dans plusieurs secteurs d'activité. Donc nous, notre CAM, si tu peux me permettre, c'est les transferts thermiques, c'est la manière dont la chaleur passe d'un endroit à un autre, et surtout la manière dont on peut la forcer à passer d'un endroit à un autre par le biais d'une machine thermique ou thermodynamique. Donc c'est des mots qui peuvent peut-être faire peur, mais concrètement, on va être assez outillés pour travailler sur des groupes frigorifiques, des pompes à chaleur et tout ce qu'il peut y avoir autour, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure précisément une température et comment est-ce qu'on utilise ces mesures pour faire du contrôle et de la régulation sur un certain nombre de produits. On est basé à Dinan, on travaille sur toute la France, voire même on se permet de temps en temps des incursions. Vous pouvez passer la diapo.
on peut se permettre de faire des incursions en Belgique et ce sera l'occasion, quand je vous présenterai les projets, de vous montrer un petit projet qu'on a fait avec des Belges. J'ai dit spécialité dans les domaines du transfert thermique dynamique. En fait, en général, on travaille sur toute la chaîne de développement d'un produit ou d'une innovation. Donc, ça commence par l'étude de faisabilité, la bibliographie nécessaire pour savoir d'où on part et quel est l'état de l'art. On peut passer par des étapes de conception, de dimensionnement, de modélisation. On est en mesure de réaliser la plupart de nos prototypes nous-mêmes. On peut être amené à faire de la sous-traitance par moment, mais sur le cœur du principe, on fait nos prototypes nous-mêmes. Et on dispose de cellules climatiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui nous permettent de tester les différents concepts dans des conditions qu'on maîtrise pour pouvoir faire des mesures et de la mise au point en appui de ce qu'on vient, de ce qu'on vient mettre en termes de développement. Donc on peut valider nos développements par de la mesure physique en conditions maîtrisées. Et puis ensuite, quand le produit est dans son cycle de vie, donc par exemple une pompe à chaleur qui fonctionne, qui est mise sur le marché, elle a souvent des problématiques de SAV, on peut également intervenir pour faire de l'expertise en cours de vie produit pour trouver les points de dysfonctionnement et les solutions à y apporter. Alors ça, c'est un joli cercle. Évidemment, on peut intervenir sur une petite partie ou sur l'intégralité du projet en fonction des besoins de l'industriel, sachant que travaillant sur des projets de recherche et développement, il n'y en a pas deux qui sont similaires, donc on refait systématiquement toutes nos propositions sur mesure de manière à trouver le bon placement et à bien s'intégrer avec les équipes de nos clients. Donc je vous ai dit, une thématique de travail assez resserrée et des applicatifs qui sont par contre, eux, assez larges. Donc on va travailler aussi bien sur le bâtiment, ça, c'est assez logique quand on parle de pompe à chaleur, sur l'alimentation, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans l'agriculture, mais aussi sur le secteur du café, hôtellerie, restauration, puisqu'on va travailler sur des petites vitrines réfrigérées qui sont réalisées à façon, par exemple. Et puis sur d'autres thématiques industrielles, je pense notamment à la santé, à la logistique alimentaire, à la défense. Et si on passe à la diapo suivante, je vais pouvoir vous parler des moyens. Donc, on est une petite équipe, on est une douzaine de salariés, principalement des ingénieurs et des techniciens. Techniciens qui donc, ont la capacité de réaliser les prototypes, de souder, de braser. Et puis des ingénieurs et des docteurs qui vont réaliser les conceptions, les études bibliographiques et les modèles numériques qu'on peut être amené soit à embarquer, soit à utiliser pour nos dimensionnements. Donc ça, c'est un des premiers moyens, c'est les cervelles de nos salariés. Le deuxième type de moyens, c'est des moyens techniques. Le premier d'entre eux étant les enceintes climatiques dont on dispose, qui nous permettent de travailler sur des ambiances qui vont grosso modo de moins 25 à plus 50, et de mettre les machines ou les concepts qu'on cherche à tester dans des conditions qui sont proches de celles qu'on aurait sur le terrain, mais qui sont par contre parfaitement maîtrisées. Donc c'est des grandes cellules climatiques qu'on verra dans la slide suivante, qui font une cinquantaine de mètres carrés chacune, donc on peut même imaginer mettre des lignes complètes, des morceaux de lignes en tout cas dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça c'est un premier moyen qui est particulièrement original et sur lequel on s'appuie beaucoup. On a évidemment des outils de prototypage, une chaîne métrologique complète, parce que quand on met des concepts ou des prototypes en phase d'essai, il faut bien qu'on puisse documenter leur fonctionnement, donc on a des capteurs pour ça. Et puis, on s'appuie aussi sur des outils de simulation qui nous permettent d'affiner nos conceptions. Donc, à la fois des moyens numériques et puis des moyens matériels pour tester concrètement, voir comment ça marche. C'est des moyens dans lesquels on investit beaucoup, donc je passe rapidement là-dessus. Et puis, je vais vous présenter un petit peu nos cellules climatiques sur la slide suivante. Donc, on les a ici en photo. Aujourd'hui, on en a trois. On a un programme d'investissement qui est en cours pour arriver à une quatrième cellule dans le courant d'année prochaine. Enfin, si le Covid veut bien nous laisser travailler.
Donc des plages de climat qui vont de moins 20, moins 25 à plus 40, plus 50 même dans certaines conditions. Là, c'est un nouveau truc qu'on a mis en place cette année. On régule l'hygrométrie et on a des boucles d'eau qui sont présentes dans les cellules et qui nous permettent de faire des montages sur mesure pour mettre des machines dans des conditions particulières. Donc on peut imaginer plein de trucs, on peut imaginer de coupler deux cellules ensemble pour avoir des solutions biclimatiques. Donc par exemple, je simule un climat extérieur d'un côté, un climat intérieur de l'autre, et ça me permet de voir comment se comporte mon système. Je peux mettre une zone qui est à moins 18 par exemple pour voir qu'est-ce que ça donne dans mon stockage, et puis une zone à plus 4 qui simulerait plutôt... je ne sais pas, un atelier d'agroalimentaire sur des produits surgelés et de voir si je passe des produits de l'un à l'autre, comment ça évolue. Donc on peut vraiment imaginer tous les types de scénarios d'essais qu'on souhaite. C'est l'avantage d'avoir des cellules qui sont quasi vides quand on les ouvre, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc voilà pour les moyens d'essai. S'il y a des questions, je prendrai le temps d'y répondre par la suite. Je vais maintenant vous présenter deux projets, vous pouvez passer à la diapo suivante s'il vous plaît, deux projets qui sont en lien avec les thématiques d'S3 Food. Alors sans dire que l'application est directement dans le champ de l'industrie agroalimentaire, mais les méthodologies qui sont derrière peuvent permettre de répondre à des problématiques sur du capteur notamment. Donc Un premier mode d'intervention qu'on pourrait imaginer, c'est de la vérification de mesure. Donc dans ce projet-là, donc c'est un projet qu'on a fait pour la société Panimpex, qui est donc une société belge, qui commercialise un système de métrologie qui permet, en gros, de mesurer le rendement d'une machine frigorifique avec une originalité dans la mesure qui permet de ne pas avoir de mesure intrusive sur le système. Souvent, pour mesurer les performances d'un groupe frigorifique, on est obligé de venir faire de la mesure de débit directement au bord du compresseur, si on veut le faire sur un système à détente directe. Je passe sur les détails techniques, mais concrètement, c'est difficile sur une machine qui est déjà installée. Donc, eux, l'originalité de leur circuit, c'est qu'ils se basent sur des mesures indirectes pour venir faire... Une estimation du niveau de rendement de la machine. Et donc, comme ils n'avaient que leur bonne volonté pour faire la démonstration de la précision de leur capteur, ils ont décidé plutôt de faire appel à un tiers extérieur pour vérifier que les mesures étaient cohérentes. Donc, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. On a mis en place un protocole et on a fait une campagne de mesure ad hoc pour bien vérifier la précision des résultats. Dans un premier temps, les résultats étaient précis, mais pouvaient être améliorés. C'est ce qu'on a vu en faisant l'expertise du fonctionnement. Et en faisant cette expertise, on a mis en lumière quelques pistes d'amélioration qui ont été implémentées par le client, qui du coup a pu améliorer la précision de son capteur et faire ensuite la démonstration de la précision de ces mesures avec une vérification par un tiers indépendant. Donc vous pouvez vérifier si ça vous amuse. Sur le site internet de Panimpex, aujourd'hui, il y a essais réalisés par le pôle cristal et je crois même que le rapport est disponible sur demande. Ça, c'est un premier niveau d'intervention qu'on pourrait imaginer. L'industrie agroalimentaire. Et si on passe à la diapositive suivante, je vais vous présenter une autre référence intéressante qui est elle plus liée à l'agroalimentaire directement. Donc, c'est une prestation qu'on a réalisée pour ChronoFresh, donc c'était anciennement ChronoPost Food. ChronoFresh fait de la livraison de colis alimentaires avec une chaîne métrologique qui est intégrée dans ces colis. Donc en fait, ils font une mesure de température directement dans les glacières qui servent à la livraison. Et ça posait pas mal de problèmes parce qu'il y avait beaucoup de dépassements. Ils souhaitaient tenir 4 ou 5 degrés, je crois, de température max. Et ils avaient pas mal de dépassements, ce qui est tout à fait logique quand on travaille sur de l'air. Surtout, dès qu'on ouvre une glacière, on admet de l'air extérieur dans une logistique qui n'est pas, elle, entièrement réfrigérée. C'est logique qu'on ait des remontées en température.
Et donc, pour les aider à faire le tri entre les alertes qui pouvaient remonter de manière récurrente sur les chaînes de livraison, on a fait un travail qui mêlait à la fois de la modélisation et de l'expérimental pour pouvoir définir les paramètres de déclenchement des alertes qui empêchaient la livraison d'un produit parce que là, la chaîne du froid était vraiment, vraiment dégradée. Donc, on a fait un premier modèle thermique qu'on a couplé avec un modèle de microbiologie prévisionnelle en fonction des différentes matrices alimentaires qu'on pouvait avoir dans les colis en livraison. Et une fois qu'on avait dépassé un certain niveau de présence de bactéries, on pouvait dire non, là c'est dangereux, on ne peut pas livrer. Et en dessous d'un certain seuil, on savait que même si on avait un léger dépassement en termes de température pendant une durée courte, par exemple, on pouvait quand même livrer le produit sans qu'il y ait de problématiques particulières. C'est un outil qui a été implémenté là en début d'année dans les systèmes d'information de Chronopost et qui est accessible directement au livreur, donc ce qui lui permet d'avoir une aide à la décision au moment de livrer. S'il a un positif, il sait s'il peut ou non remettre le produit à son client. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai surtout été assez clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'intégralité de mes coordonnées, même pour un projet futur, si vous souhaitez qu'on le travaille de manière plus personnalisée. Merci. Ok, merci beaucoup. Je passe à la dernière présentation du coup de Mickaël Piéguet qui va vous présenter du coup l'SEV APEC. Mickaël, je garde la main, je vous laisse prendre la parole. Oui, Enfin, je sans garde la problème. main sur les slides. Oui, voilà. Super, merci. Merci Géraldine. Merci. Bon, je vais essayer de faire concis. Donc, je suis Mickaël Piéguet, donc un représentant du CEATEC, notamment sur la région PACA, et plus spécifiquement basé sur Nice. Voilà, j'ai pris le challenge de pouvoir présenter le CEATEC en 10 minutes sur deux slides. Je vais essayer de tenir ce challenge. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CEA, donc le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Hein. Plus récemment, il y a eu ce rajout. Alors, historiquement, c'est un organisme public, un EPIC plus spécifiquement, donc un établissement public à caractère industriel et commercial, qui a été ouvert par Général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Alors, notamment pour doter la France de l'énergie atomique, alors sur un aspect militaire et sur un aspect civil, avec notamment les centrales nucléaires. Donc, encore aujourd'hui, dans la structuration du CEA, on va retrouver ces deux premiers axes dans quatre directions opérationnelles. Donc, une première direction qui concerne les applications militaires, donc sur le nucléaire militaire. Une deuxième direction qui concerne le nucléaire plutôt civil. Et alors, une troisième direction qui concerne pour elle plus du tout le nucléaire, mais spécifiquement la recherche technologique et l'orientation et le transfert technologique orienté vers les industriels français. Et on va retrouver une dernière direction, donc, qui est la direction des recherches fondamentales, qui est une direction transverse à ces trois premières et qui permettent d'alimenter et ressourcer finalement les différents sujets et avec de la matière fondamentale. Donc, j'en reviens plus spécifiquement sur la troisième direction, la recherche technologique, qui est communément appelée le CEATEC, hein, qui est finalement la marque commerciale. Donc, le positionnement du CEATEC, c'est de travailler sur des TRL entre 3, 4 jusqu'à 7, 8. Voilà, la mission vraiment, c'est de récupérer, d'utiliser des briques technologiques qui sont à des niveaux de maturité 3, 4, de les maturer et de les rendre disponibles pour les transférer au sein de l'industrie dans des niveaux de TRL 7, 8. Voilà. Donc aujourd'hui, le CEATEC est structuré autour de trois instituts de recherche. Donc le LETI, un institut historique hein, qui est basé sur Grenoble et qui est spécialisé sur les micro-nanotechnologies. Donc là, sur le petit schéma qui est malgré tout un peu petit, c'est toutes les briques technologiques qui sont en bleu. Donc, en partant des technologies du semi-conducteur, du silicium, hein, et tous les capteurs qui vont en découler, miniaturisés ou non, des applications dans la biologie, dans la santé, ou tout ce qui va être aussi également autour de l'Internet des objets. Un deuxième institut qui est basé à Grenoble et Chambéry, qui est le LITEN. Donc là, un institut spécialisé sur les technologies des énergies nouvelles et des nanomatériaux.
Alors, dans l'énergie nouvelle, hein, je parle évidemment hors nucléaire, puisqu'on va traiter sur toute la chaîne d'énergie, en partant du photovoltaïque, solaire thermique, en passant par le stockage d'énergie, par batterie, hydrogène, puis la combustible, en traitant également de problématiques sur l'efficacité énergétique, sur les réseaux smart grid, et également sur l'aspect matériaux, avec des compétences autour des nanomatériaux, des procédés de recyclage, de l'impression 3D ou de l'électronique organique également. Le troisième institut qui complète le CEATEC, c'est le LIST, qui est basé à Saclay et qui est le système, un institut du numérique intelligent. Donc là, c'est toutes les briques qu'on va retrouver sur le chapeau du diagramme, rouge, violet, donc autour de l'intelligence artificielle, des systèmes cyberphysiques, et également donc ce qui est des briques en bas à gauche, marron, autour de l'industrie 4.0. Donc là, on va pouvoir retrouver des compétences et expertises autour de la robotique, de la cobotique, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, contrôle non destructif, etc. Voilà. Donc, en termes d'effectifs, le CEATEC, ça représente 4500 personnes. D'ailleurs, vous pouvez le voir, chaque direction est assez équilibré en termes d'effectifs. Sur un budget de fonctionnement, donc au niveau du CEATEC, de 700 millions d'euros. Pour préciser un petit peu, donc c'est assez intéressant de voir comment c'est constitué et ça structure un petit peu d'ailleurs la mission du CEATEC, c'est que sur ces 700 millions de budget de fonctionnement, 25% sont des subventions de l'État et 75% des recettes venant de partenariats industriels. Alors, dans ces 75% de recettes, on va retrouver 50%, la moitié, alors, qui viennent de partenariats bilatéraux avec les entreprises, hein, une entreprise qui vient voir le CEA avec une problématique technique, et l'autre moitié qui va concerner des projets collaboratifs. Voilà, ça représente à peu près 600 partenaires industriels sur l'année 2019, avec plus de 1000 projets institutionnels, collaboratifs et 1000 projets industriels. Voilà, une forte politique aussi de brevets, puisqu'il y a plus de 600 brevets qui sont déposés chaque année. Ensuite, en termes de localisation géographique, hein, mis à part les trois principaux centres de recherche dont je vous parlais, qui sont basés sur Saclay, Paris et la région grenobloise, dès 2012, il y a eu la création d'antennes en région, qui on appelle les plateformes régionales de transfert technologique et qui ont pour mission de rayonner sur le territoire et de pouvoir adresser justement l'ensemble des entreprises françaises, que ce soit dans les régions Hauts-de-France, en Bretagne ou au fin fond au PACA. Voilà, donc c'est finalement, je suis dans ces structures-là et l'objectif c'est d'être des portes d'entrée des laboratoires du CEA. Voilà. Géraldine, je vous laisse passer à la suivante s'il vous plaît. Merci. Alors, bon, pour schématiser un petit peu les différents types de collaboration, j'ai choisi de vous présenter trois exemples qui sont présents dans la filière agri-agro. Alors, trois types de collaboration différentes. Alors, si je prends le premier exemple, donc la société, c'est une start-up, hein, Connecting Foot, qui développe une plateforme digitale avec une solution qui s'appelle Live Audit et qui permet la traçabilité complète des produits, qui permet d'auditer leur qualité et donc de garantir la véracité des engagements de chaque maillon de la chaîne. Donc, on a travaillé, enfin, leur challenge de leur côté, c'est de fiabiliser les sources d'informations, de détecter au plus tôt la non-conformité d'un produit face au cahier des charges et de répondre à l'augmentation du volume de transactions. Donc face à ces problématiques, on a répondu par la création d'un laboratoire commun, c'est-à-dire que les chercheurs de Connecting Foot et les chercheurs du CEA travaillaient à la réponse sur leurs problématiques, et notamment autour de deux technologies qui sont l'IA d'un côté, pour instaurer des règles de détection et de validation, et permettre de rendre donc l'audit certifiable, et autour de la technologie de la blockchain pour sécuriser et tracer les informations. Voilà, donc là, le premier type de partenariat. Un autre type de partenariat qui est un développement technologique. Donc là, on est sur, je dirais, un partenariat bilatéral, la classique, hein, c'est qu'une entreprise vient rencontrer le CEA en disant, voilà, voici ma problématique, est-ce que vous avez des solutions? Donc en l'occurrence, c'était avec l'industriel l'allemand, la division française, hein, qui élabore les levures et les bactéries pour la nutrition et le bien-être animal. Donc leur problématique, hein, c'était d'améliorer et d'augmenter le processus d'analyse des levures vivantes dans les aliments qu'ils proposaient. Donc ils utilisaient jusqu'à présent la microbiologie conventionnelle
en analysant le développement des colonies probiotiques, hein, ce qui prenait 3-4 jours à peu près. Donc le CEA est venu en proposant une solution qui était développée dans les laboratoires, à savoir l'imagerie sans lentilles. Donc, qu'est-ce que c'est que l'imagerie sans lentilles? C'est une solution finalement assez simple, hein, d'une LED qui fournit une lumière sur les micro-organismes, et on place un capteur CMOS qui va pouvoir capter la diffraction de la lumière sur les micro-organismes, et à l'aide d'une IA va pouvoir recomposer l'image de l'échantillon. Voilà, et à partir de cette technologie, automatiquement analyser le développement des colonies probiotiques dans un délai de 6 et 12 heures. Donc voilà, ça fait un gros gain de temps avec une technologie qui reste assez bon marché. Et pour finir, un troisième type de partenariat qui est un partenariat qu'on fait plutôt avec des grandes entreprises, donc en l'occurrence le grand groupe d'industrie agroalimentaire Bel, qui fabrique les fromages industriels Babybel, Kiri, Boursin. Donc leurs ambitions, c'était d'orienter leur stratégie sur la croissance durable et optimiser leur performance dans la production industrielle, hein. Donc s'orienter finalement sur l'industrie et l'usine du futur, avec des points sur des axes sur revisiter leur processus de production et les modéliser, économiser en termes de ressources et améliorer évidemment la performance et leur capacité à innover. Donc là, en réponse à cette problématique, avec le CEA, donc, il y a eu une création d'un partenariat stratégique sur 3 ans, c'est-à-dire une roadmap technologique, hein, avec des points clés, dont développer des énergies renouvelables à la place des énergies carbonées, limiter et diminuer la consommation d'énergie et la consommation d'eau, par exemple, améliorer l'ergonomie ou diminuer la pénibilité des postes de travail, hein, de certains postes, avec notamment une approche robotique, cobotique, également avec évidemment l'utilisation de capteurs, hein, pour optimiser la production, et l'utilisation de smart data pour réduire les rebuts, notamment. Voilà. Donc je vous ai balayé rapidement différents types de partenariats avec des entreprises de taille différente, que ce soit start-up, PME, ETI ou grands groupes. Voilà, donc le CEA aujourd'hui peut se positionner en tant qu'apporteur offreur de solutions avec des expertises qui sont très larges. Vous l'avez vu, je ne peux pas passer 10 minutes à toutes les présenter, mais si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que je pourrais essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Mickaël. Merci beaucoup du coup à tous nos intervenants. C'était très clair, vous avez bien joué le jeu de l'exercice un peu difficile qu'on vous avait confié. Donc voilà, on en a fini du coup. Alors un petit peu tard, je suis désolée, il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions. Mais voilà, on peut se laisser peut-être 5 minutes avant d'aller manger. Peut-être si vous avez des retours ou des premières questions, que ce soit sur le programme S3 Food, les appels qui vont sortir ou des questions plus techniques pour nos intervenants, ou voilà. Et dans tous les cas, comme le disait Cécile tout à l'heure, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, à revenir vers nous voilà, pour approfondir des potentiels projets que voilà, vous ne souhaitiez pas échanger maintenant. Donc, si vous avez des questions, hein, dans les 5 minutes qui restent, voir un voilà. peu plus, voir si les questions, s'il y a beaucoup de questions. Vous pouvez soit débloquer les micros et intervenir directement, ou bien vous utilisez le chat pour poser la question et puis on les prendra les unes après les autres et on y répondra. Donc, pas de questions sur les appels à projets, tout était clair. Moi, peut-être une petite précision, Géraldine, je ne suis pas sûre qu'on ait donné cette précision. On vous a présenté les appels à projets. Le deuxième appel à projet, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, mais il peut être encore soumis à quelques modifications parce que rien n'est gravé dans le marbre. Le consortium est encore en train de travailler sur la rédaction de ce nouvel appel à projet. Donc, il n'y aura pas de grande surprise par rapport à ce qu'on vous a présenté, mais à la marge, sur quelques détails, ça pourrait un petit peu évoluer.
Donc, ce qu'on vous a dit aujourd'hui, c'est ce qu'on en connaît aujourd'hui. C'est très probablement ce qu'il va sortir. Maintenant, on vous invite vraiment à nous interroger si vous avez des questions et à aller consulter tous les documents qui seront mis en ligne directement sur le site S3 Food, donc s3food.eu, je crois, pour être vraiment sûr de dans le détail de ce qui est demandé et des critères de sélection des projets. Oui, on recommuniquera de toute façon au lancement officiel des cahiers des charges. Là, l'idée, c'était justement de pouvoir anticiper l'émergence de projets et de vous accompagner au mieux pour les construire. En fait. Notamment recherche de partenaires qui peut prendre du temps, justement. Le temps de diffusion, le temps de réponse. Donc voilà, l'idée, c'était d'anticiper un peu le lancement de ces projets-là. Bon, moi, je crois que du coup, on va clôturer le webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avez nos coordonnées. On vous enverra un petit questionnaire pour pouvoir poser vos questions en direct. Et si tu veux. Juste remercier tout le monde. Remercier aussi les intervenants. N'hésitez pas si vous souhaitez faire appel aux différents Living Labs. On appelle ça les Living Labs dans le cas d'S3 Food. Qui ont été présentés. Si vous ne trouvez pas facilement le contact, normalement, ce sera dans les présentations qu'on mettra en ligne, mais passez par nous si vous avez du mal à retrouver les contacts. On vous aidera avec plaisir à vous donner les différents contacts. Donc, des Living Labs qui ont été présentés ici aussi, aujourd'hui. Et puis, il y en a d'autres hein, sur d'autres technologies. Donc, si vous avez un besoin particulier, on est là. On est là pour connecter les uns et les autres. Et également, du coup, les autres Living Labs de nos partenaires européens. Là, l'idée, on n'est pas obligé de faire du projet franco-français. Voilà, on peut explorer justement, la recherche de partenaires peut se faire à l'échelle européenne, bien sûr. Louis, tu veux rajouter un dernier mot ? On va clôturer. C'était parfait. Merci. Merci à tous. Et puis, voilà, n'hésitez vraiment pas, on est là pour vous accompagner. OK. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde, merci. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.